Je m'appelle Juliette Badin, je suis à l'ISCPA de Paris en troisième et dernière année de bachelor journalisme. Alors, Intensive Télé, c'est une semaine de préparation d'un journal télé, avec trois premiers jours pour préparer notre reportage, le tourner et le monter. Et la dernière journée, donc le jeudi, elle est consacrée à la préparation de notre journal. On a un rédacteur en chef, un présentateur, des chroniqueurs. Et voilà, on travaille tous ensemble pour proposer un journal d'une trentaine de minutes. Donc moi, mon projet de cette semaine, c'était de réaliser un reportage. On était par groupe de deux. On a travaillé sur l'augmentation du prix de la bière, donc qui était dans l'actualité. Et on est allé caler nos interviews. On a réalisé le tournage et la dernière journée de montage. Pour le jeudi, j'ai eu la chance d'être présentatrice. Donc j'ai dû préparer tous mes lancements, travailler conjointement avec tous les journalistes et ceux qui préparaient leur reportage en amont. Et je me suis occupée du coup de présenter le journal le jeudi après. En arrivant à l'ISCPA, j'avais envie de faire du journalisme audiovisuel ou radiophonique. Et en faisant cette semaine, ça m'a confortée dans l'idée que c'était un support qui était très stimulant. On bouge beaucoup, donc ça nous permet. Je pense qu'on ne rentre pas dans une routine avec ce support médiatique. Et notamment, je pensais être seulement à l'aise en présentation, mais je me retrouve à devoir être derrière une caméra également. Et tout le côté préparation, ça m'a beaucoup plu également. Donc je pense que cette polyvalence, c'est d'autant plus nécessaire. Et ça m'a confortée dans l'idée de faire du journalisme audiovisuel.